Yo les gars, tout le monde, c'est Christian, j'espère que vous allez bien, moi ça s'espère. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, comment installer Fortnite. Donc avant que la vidéo commence les gars, je vous invite à liker et à vous abonner avec la cloche de notification. Voilà les gars, ça ferait super plaisir. Sur ce, on part pour une nouvelle vidéo, let's go. Tout d'abord les gars, on va directement se rendre sur Google. Donc pour vous les gars, le lien il sera dans la description. Donc voilà, je vous laisserai directement même en commentaire si vous voulez l'épingler. Et puis voilà, donc ce que vous allez faire les gars, c'est que vous allez aller sur Google et vous allez arriver sur une page comme ça. Ok, et tout d'abord ce qu'on va faire les gars, c'est qu'on va télécharger le lanceur d'Epic Games. Donc on va télécharger Epic Games tout d'abord. On va cliquer sur télécharger le lanceur Epic Games. Ici vous faites enregistrer et on se retrouve dès que c'est fini de télécharger. Ok, du coup les gars, c'est fini. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser le setup de Epic Games sur le bureau. On va fermer la page Google. Vous allez faire clic droit, installer. Vous allez faire installer ici. Vous allez cliquer sur oui les gars. Hop, une fois que c'est fait, donc l'installation de Epic Games les gars commence à se faire. On se retrouve directement à la fin. C'est parti. Ok, du coup les gars, dès qu'on a fini la petite installation, ça va nous mettre un téléchargement comme ça les gars. Du coup on attend pareil. Ça devrait pas prendre longtemps pour ceux qui ont une très bonne co les gars. Si vous avez une mauvaise co malheureusement, vous devez juste attendre. Et puis voilà. Donc nous les gars, on passe en speed up. Zordi. Ok les gars, du coup une fois que le téléchargement il sera fini, donc vous aurez une page comme ça les gars qui va vous demander quel type de connexion vous préférez les gars. Donc je vais pas vous faire un tuto comment créer un compte Epic Games les gars. Vous pouvez juste ici faire créer un compte les gars. Donc vous aurez juste à faire par Epic Games, par Facebook, par Google, par Xbox, par PlayStation, par Nintendo, Steam ou encore Apple. Donc nous les gars, on va mettre directement connexion. Je vais me connecter avec mon compte Epic Games les gars. On se retrouve tout de suite, let's go. Ok du coup les gars, dès que vous avez fini de vous connecter, donc là vous serez directement arrivé sur Epic Games les gars. Donc faut savoir les gars que sur mon compte Epic Games j'avais déjà des jeux. Et normalement sur mon PC j'ai déjà installé des jeux. Donc vous, ce que vous avez juste à faire, c'est vous allez aller dans bibliothèque et vous allez choisir soit Fortnite. Bah après là malheureusement je vais devoir réinstaller Fortnite. Comment ça mon ref? Vous allez choisir soit Fortnite, soit Rocket, soit Fall Guys, où il y a encore plein d'autres jeux les gars. Ici dans la boutique, il y a des jeux qui sont payants les gars. Une fois que c'est fini les gars, vous allez faire Fortnite ici. Hop. Ici, vous allez choisir le chemin les gars. Donc pour ma part les gars, je vais le modifier. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu les gars. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et puis sur ce les mecs, c'était Chasseur. Ciao tout le monde.